Le président nigérian Muhammadu Buhari est de retour au Nigeria après un voyage de 2 jours à Malabo, la capitale de la Guinée équatoriale. Avec le président Obiang Nguema Bankoso, il a discuté de la piraterie le long de l'océan Atlantique et de vols de pétrole. La piraterie dans le golfe de Guinée aurait baissé d'environ 29%, mais cela n'a pas été le cas le long des côtes nigériennes. Le pays perdrait près de 12 millions de litres de brut par mois. Cela représente une perte de 456 millions de dollars mensuels. Les observateurs de l'industrie pensent que l'effet du vol de pétrole va bien plus loin que la valeur financière. Quand vous parvenez à voler 100 000 barils de brut, alors vous pouvez probablement déverser 100 000 autres barils dans la nature. Vous avez aussi probablement la possibilité de rendre responsables les compagnies pour ces lignes de production particulières. Un pays comme le Nigeria peut perdre environ 400 000 barils, bien qu'il n'y ait que 100 000 barils volés. Les présidents Muhammadu Buhari et Obiang Nguema tentent aujourd'hui de renforcer l'effort régional pour contenir leurs pertes. Tsayi Gaskia pense qu'une initiative régionale pour lutter contre les crimes maritimes dans l'océan Atlantique aurait dû être en place depuis longtemps. Il est logique d'essayer aussi de construire une coalition navale qui peut mieux contrôler la mer afin que le travail ne retombe pas uniquement sur la marine nigériane. Cela a du sens. C'est donc le genre d'attente que nous avons de cette rencontre, avoir une sécurité plus structurée et coordonnée et une approche de surveillance en termes de patrouille commune de la mer. Les présidents Buhari et Obiang Nguema ont discuté aussi des attaques contre les forages de pétrole, de la prolifération des petites armes et du trafic d'êtres humains dans le golfe de Guinée. Les deux raffineries de pétrole du Nigeria nouvellement rénovées ont dû récemment fermer à la suite d'actes de vandalisme contre les oléoducs dans le delta du Niger.